C'était une décision difficile, dure. Et déjà, je rends hommage à Leonardo qui a inscrit une des plus belles pages dans l'histoire du club. Mais là, c'est du passé. Et aujourd'hui, on parle quand même de notre nouvel entraîneur en qui nous avons toute la confiance. Déjà, avant de répondre à la question, vu que vous ne m'avez pas posé la question, remercier le travail de Jardim, un entraîneur qui restera, je pense, à jamais dans l'histoire de l'AS Monaco. Donc voilà, merci pour ce qu'il a fait. Et personnellement, mon staff et moi, on lui souhaite bonne chance. Donc voilà, je voulais dire ça aussi. Après, malheureusement, ce qui s'est passé avant, j'en parlerai pas. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient pour moi. Mais moi, pour l'instant, je ne peux parler que pour Monaco. Donc voilà.